Re-coucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 5 juillet 2020, que je me trompe pas d'année. Bienvenue aux nouveaux abonnés, donc vous êtes les bienvenus. Donc je reviens un petit peu à tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne déjà la triade, l'oracle de la triade. Je vais vous montrer ce que je me suis servi donc tout à l'heure. Je reviens pour ça aussi. Je vais revenir pour autre chose aussi. Déjà, il y a très très longtemps que je voulais en parler. Je ne voulais pas en parler. Et je vais en parler donc aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que je vous avais dit, si on regarde mes anciennes vidéos, un peu plus loin. Je vous avais dit que j'avais téléphoné une fois à une voyante pour savoir ses ressentis que j'avais, etc. Je comprenais pas ce qui se passait en moi, etc., etc. Vis-à-vis du pendule, vis-à-vis des ressentis, vis-à-vis de beaucoup de choses. Et puis, comme tout le monde, hein, j'ai été voir donc des voyantes au moins trois fois dans ma vie. Voilà. Donc à l'époque, j'habitais dans le sud. Et vous allez vous rendre compte pourquoi je viens vers vous pour ceci. Et je vous dirai après le reste. Donc quand on va donc dans un cabinet de voyance, voilà, on se présente, machin. Déjà, faut rien dire de sa vie en premier. On vient vers la personne pour poser certaines questions. La personne en question, le voyant ou la voyante que vous avez devant vous, va vous sortir des cartes. Nous sommes d'accord. Peu importe les cartes, mais elle va vous les sortir. Mais elle ne va pas vous expliquer, par exemple, toutes les cartes une par une. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela, etc., etc. Ça veut dire telle carte, ça veut dire ça. On vous montre pas tout ça, d'accord? Et moi, ce qui m'a un peu choqué, donc je rejoins un petit peu, comment dire aussi, une chaîne sur YouTube, je crois que c'est Alien, hein? Alien, oui. La chaîne d'Alien, etc., qui a dit la même chose. Donc ça, déjà, ça m'a choqué, parce qu'en principe, les personnes qui ont ces choses en elles ne sont pas obligatoirement obligées de montrer carte par carte, voilà, la signification et tout ça. Après, maintenant, c'est vrai que nous avons des beaux graphismes, donc on peut se fier au graphisme, on peut très bien les expliquer aussi. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et puis... Mais on n'est pas obligé de montrer des cartes. Voilà, c'est ce qui m'a choqué sur les chaînes de YouTube. Donc voilà. Et ensuite, les choses que l'on m'a dit, hein, des choses différentes, se sont avérées vraies, mais pas du jour au lendemain. Hein. Donc il faut bien savoir, des fois on vous annonce des choses qui ne vont peut-être pas se faire dans 6 mois, 5 mois, 3 jours, ou des fois ça va se faire dans le temps. Comme j'ai rencontré des. Comment on appelle ça des, en marchant à Cannes, j'ai rencontré. J'arrive pas à trouver le mot. J'ai un trou, excusez-moi. Ben, les personnes qui vivent dans les caravanes, etc., etc. Et je peux vous dire qu'elles sont très, 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 très fortes. J'en ai rencontré un nombre, un nombre, un nombre. Il y en a même une qui est venue dans un salon de coiffure, qui avait dit ceci, cela à la fille de la patronne, et c'est avéré vrai. Elle a fait un grand mariage, puisque je peux le dire maintenant, ça fait très longtemps, elle s'est mariée avec le fils de Catherine Deneuve, parce que Catherine Deneuve aussi a un fils, et elle s'est mariée avec lui. Donc grand mariage, tatati, tatata, etc., etc. Donc je peux vous dire que ces personnes-là sont très, 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 très fortes également. Donc moi, ce qui me choque, c'est que quand on fait des vidéos de ressenti, de voyance, on est obligé de sortir les cartes et de vous montrer presque carte par carte. Donc ça me choque un petit peu. Il y a des vidéos donc en arrière. Je marchais au ressenti, je marche au ressenti. Donc je vais y venir tout de suite. Quand on parlait de fatalité, cette carte pour moi représente la Terre polluée. Hein. Elle est polluée, on voit ces énergies autour qui sont pas... Ils n'ont pas des super couleurs, etc. Donc voilà, je l'ai faite ainsi, cette fatalité au niveau de notre planète. Je sais plus ce que je voulais dire, j'en ai tellement en tête.
La fatalité, oui, du coup j'ai perdu le fil, vous allez m'en excuser. Je réfléchis. Donc tout à l'heure je vous ai sorti cette carte. Hein, cette carte d'ailleurs j'ai encore oublié de sortir comment je les reçois. Hein. Et pour moi cette carte est liée avec, comme je vous ai dit, voilà, j'y arrive. Dans d'autres précédentes vidéos, peut-être pendant le confinement, j'en ai parlé. De mes ressentis qu'on allait changer les choses, changer la façon de faire, de se déplacer, de nourriture, de beaucoup de choses, sans me servir des cartes. Juste avec celle-ci, sans me servir des cartes. Il y a très peu de personnes où j'ai entendu sur des chaînes, certaines chaînes de YouTube, dans des tirages de cartes ou des ressentis, au niveau de changer les choses. Vis-à-vis de la pollution, etc., etc., etc. À part Karine Justeby, voilà, qui en a parlé, qui a vu ça dans ses tirages, alors que d'autres personnes pensaient avoir autre chose. Donc, je vais y revenir. Alors, tout à l'heure, au niveau de la triade, je vais y aller sujet par sujet pour pas me mélanger les pinceaux. Logiquement, on sort que trois cartes, hein, puisque ça s'appelle l'oracle de la triade, triade 3. Or, j'en ai sorti 4. Donc celle-ci. Et puis celle-ci. L'alpha, l'erreur et la nécessité. Donc je m'en excuse, c'est l'habitude de sortir mes cartes comme ça. Tant que ça sort et que ça me parle, je le dis. Donc logiquement, on ne doit en sortir que 3. Ou après, vous avez le petit carnet, je ne sais pas où il est. Où on vous montre... la façon dont on peut procéder le tirage de cartes. Déjà, là, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, le passé, le présent et le futur. Et puis, une conclusion. Après, nous avons aussi comme ceci. Voilà. Après, personnellement, quand je me servais comme ça pour faire à des amis ou même à ma famille, c'était les jeux, vous savez, où il y avait le roi de pique, la reine de cœur, etc., etc. Je le faisais avec le prénom. Hein. On peut le faire aussi avec le prénom. Donc là, je vais en venir. Donc tout à l'heure, au niveau donc, de la triade, de ce que j'ai sorti, hein, l'adversaire, tout ça, je vous avais dit, si j'arrivais à l'attraper, que pour moi, ça représentait le mal. Pourquoi? Ben, parce que, bon, là, vous le voyez rose, mais c'est rouge. Pour moi, ça représente le sang. Et je sais pas, mais c'est pas une carte positive, je dirais. D'accord? Donc pour moi, ça représentait ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des enfants. D'accord? Au niveau de ces arrestations et tout ça. Maintenant, je peux en parler. Voilà. Hein, pour moi, le rouge, là, on voit un peu rose, ça représente le sang. D'accord? Le sang, ça présente, et puis quand on regarde bien de près, c'est pas une super carte. Hein. En plus, on peut voir des 6, 6, 6 ou 9, 9, 9. Voilà, vous voyez, vous prenez ce que vous voulez. Ça, c'était à part. Ok. Quand j'ai sorti donc l'alpha, comme je vous avais dit, c'est un changement, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau, c'est le changement. Ensuite, je vous avais dit qu'on allait réparer les erreurs du passé. Au niveau de la pollution, au niveau du CE2, ou CO2, je ne sais plus comment on dit, bref. Moi, je me comprends, pollution, terre, air, eau, etc. Que ce soit fleuve, etc., etc. Bon, pour moi, il y avait marqué fin ici et fin ici. C'est la fin de quelque chose et c'est le début de quelque chose. On va essayer de réparer les erreurs du passé vis-à-vis de notre planète ici, qui est polluée. Et je vous avais sorti donc cette carte de nécessité. Ça allait être nécessaire. D'accord? C'est nécessaire. On a vraiment besoin de ce changement dans toutes ses formes. Ici, l'erreur. Donc, je vous avais dit aussi qu'on parlait de nourriture. J'avais sorti aussi la carte de la nourriture. Donc, il va y avoir aussi une nouvelle façon de se nourrir, puisque aussi nous avons la pomme. D'accord? Et c'est la fin de quelque chose.
c'est la fin de quelque chose pour laisser place à un nouveau, un changement au niveau, je me répète encore, de la pollution, de protéger, entre guillemets, notre planète. Parce que c'est vraiment une nécessité. C'est vraiment, comment dire, c'est obligé. Il le faut à tout prix. À côté, ça c'était sorti aussi il y a très longtemps, les limites. Hein, ça veut dire stop. Stop à la pollution. Je vous avais dit qu'il y aurait des nouvelles lois, il y aurait des nouvelles choses qui allaient se mettre en place rapidement et dans le temps vis-à-vis de la pollution, que ça n'allait pas plaire à tout le monde. Donc vous verrez bien. D'accord? Donc nous sommes bien d'accord là-dessus. La triague, normalement, on n'en sort que trois. D'autres procèdent autrement. Voilà, je voulais que ça soit bien clair au niveau de ces trois cartes-là qui ont un lien avec la fatalité et celle-ci qui a un lien à part. Ensuite, j'avais sorti aussi les lois. Donc les lois, ça peut être aussi des nouvelles lois en France, comme je vous ai dit, qu'ils allaient mettre en place des nouvelles lois. Comme il y a eu aussi des... Comment on appelle ça? Décidément, j'arrive pas à trouver le mot. Pendant le confinement, il y a eu des nouveaux décrets. Voilà. Donc là, oui, au niveau des couleurs, on peut en parler. Hein. Ça, pour moi, ça représente le sang. C'est le sang. Voilà. Si je regarde aussi, si je veux approfondir quelque chose au niveau de la planète, pour moi, c'était une nécessité. Et si on regarde bien, pour moi, ça représente ici la planète. Il y a un rond et pour moi, c'est la planète ici. C'est vraiment une nécessité. D'accord. Donc, on est obligé de dire stop pour protéger notre planète. On va essayer. On va essayer. Les lois, etc. Ça peut être aussi les arrestations, mais ça peut être aussi des accusations vis-à-vis de l'État. Je suis désolée d'en parler, c'est ce que je ressens. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Des plaintes et tout. Il y a plein de dossiers qui vont surgir, il y a des enquêtes qui sont en train de se faire, etc., etc. Donc ça représente, je m'excuse, je m'installe, ça représente comment dire, un processus là. Au niveau des femmes, tout à l'heure, je vous ai dit des femmes, comment dire, sortant. Non, il y a aussi des femmes qui sont, hein, ma petite lumière m'a dit, ma petite abonnée m'a dit, qu'elle avait entendu aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de femmes au niveau des maires, etc., au niveau de l'État. Donc oui, je répare un petit peu ce que j'ai dit. Oui, beaucoup de femmes hein, qui arrivent, mais il y aura aussi des femmes qui vont sortir. Nous sommes bien d'accord. Au niveau de la santé, les enfants. Voilà, je vous avais dit la santé, etc. Après, je vous avais sorti l'enfermement, le confinement. Déjà, je l'ai dit déjà bien avant. Par mon propre ressenti, donc comme il faut des preuves, ben, on est obligé de les montrer à travers des cartes, mais bon. Quand j'ai sorti cette carte-là tout à l'heure, j'ai pas le déclic. Voilà, je l'ai eu après. On voit un médecin et on voit un enfant. Nous sommes d'accord. Mon ressenti à moi. Enfin, mon ressenti personnel, j'aime pas dire à moi, excusez-moi. Mon ressenti personnel, c'est que pour moi, il y a eu des tests déjà faits sur des enfants. Et il va y en avoir encore pas mal et pas mal bientôt là, à la rentrée. Voilà de quoi ça me parle. Je vous avais dit manipulation tout à l'heure aussi, vis-à-vis aussi comment dire, des reconfinements. Voilà. Ça reste mon propre ressenti personnel. Hein, c'est propre à moi-même. Donc, ce qui dit reconfinement dans certains pays, c'est aussi on a besoin de confiner les gens pour être tranquille et faire ce qu'on a à faire à l'extérieur. Hein, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur déjà pendant le confinement. Donc, il faut revenir peut-être 3 mois après sur mes anciennes vidéos. Donc voilà, que je n'oublie rien du tout. Donc oui, les lois, les accusations, bien sûr, ça fait partie aussi de ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, mais ça fait partie aussi de la France. Hein. Les plaintes, les enquêtes, etc., etc., et des mises en lumière, etc., etc. Je veux que ça soit très, très
clair entre nous. Voilà, donc c'est pour ça que je suis revenue assez. J'ai essayé de revenir assez rapidement, alors que j'ai autre chose à faire. Excusez-moi, c'est pas méchant, faut pas le prendre mal, mais j'ai autre chose à faire aussi. Et j'ai bien voulu, comment dire, réparer peut-être certaines erreurs. Des fois, je dis des choses, je ne me rends pas compte, et c'est après. Voilà. Donc, ça, c'est la triade. Voilà, il y en a trois, c'est ce que j'ai sorti. N'ont rien à voir, si j'arrive à l'attraper, n'a rien à voir avec cette carte-là. Hein, pour moi, qui est la carte du mal, excusez-moi. La carte du mal qui a un biais avec les enfants et le sang. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas à certaines choses, et pourtant, ça a existé, et malheureusement, ça a existé. Mais comme je vous avais dit, malgré ces arrestations, je suis désolée, mais ça recommencera. Voilà. Avec d'autres personnes, mais ça recommencera. Donc nous sommes bien d'accord au niveau de la fatalité de notre planète, d'essayer de réparer les erreurs, etc., etc. Ces nouveaux sens changements que je vous ai parlé, qu'il y aurait à travers des nouvelles constructions, peut-être pas dans l'immédiat, mais plus tard, au niveau de se déplacer, peut-être moins de vols, peut-être. Vous allez voir, il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver et ça ne va pas plaire à tout le monde. Je recommence. L'alpha, le début de quelque chose, un renouveau. Un renouveau, un nouveau, comme vous voulez. Ensuite, on va essayer de réparer les erreurs donc du passé. Hop, j'appuie sur le bouton. Les erreurs du passé, voilà. Hein. Et après, j'ai sorti donc la nécessité. C'est que c'est vraiment nécessaire, quoi. Ça va être nécessaire pour plus tard. Il faut y penser. Hein. Donc voilà, je pose. Après, je vous avais parlé aussi du travail, tout ça. Qu'il y aurait une grosse, malgré qu'on l'ait dit dans les médias, une grosse crise économique, ça va être quelque chose. Donc préparez-vous déjà à l'avance, s'il vous plaît. Je ne suis pas là que pour vous apporter des mauvaises nouvelles, parce que pour moi, c'est bonnes nouvelles aussi, c'est ces arrestations vis-à-vis de crimes contre l'humanité au niveau des enfants, mais il n'y a pas que des enfants, d'accord, il y a autre chose. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qui est positif aussi, ce que je ressens, c'est au niveau de notre planète, de faire des choses. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Je le répète encore, je me répète et je ne me répéterai pas assez. Parce que je ne vais pas toujours revenir là-dessus. Il y a des choses qui vont changer et ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce que ça va ennuyer des personnes sur certaines choses. Mais nous sommes obligés de passer par là pour protéger et réparer les erreurs du passé de l'être humain. Je recommence cette carte de santé. Pour moi, il y a eu des tests déjà faits sur des enfants et ça va aller en avançant à la rentrée. D'accord. Au niveau des lois, je me répète, il y aurait des nouvelles lois qui vont être mises en place, des décrets, des nouvelles lois. Des arrestations certes, mais au niveau aussi des secrets, nous allons découvrir aussi des secrets en France, dans notre pays, et pas qu'à l'étranger, en France, vis-à-vis de, j'en ai la gorge qui se casse, dans d'autres, en général, pardon, en général, d'accord? J'avais sorti la carte aussi de l'enfermement. Pour moi, c'est le confinement. Hein, déjà, j'en avais parlé précédemment. Bien sûr, on reconfine dans quelques coins, dans certains pays. Et je vous ai dit pourquoi. D'accord? La manipulation, etc., etc., etc. Donc, voilà. Et au niveau de la nourriture, ça allait changer également. Même au niveau de la viande, ça va changer. Au niveau de se nourrir, ça va changer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Donc voilà, j'en suis à 19 minutes, presque 20. Donc cette fois-ci, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Enfin, disons, le dimanche est passé pratiquement. Une très bonne soirée. Et si vous voulez mettre des commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre. J'espère qu'on m'entend bien, que je parle assez fort.
Et je vous retrouve très bientôt ce qui concerne la lithothérapie. Donc je vais devoir me répéter aussi sur certains points pour ne pas porter à confusion en ce qui concerne la lithothérapie, les minéraux, etc. Donc je vais revenir sur certaines pierres. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.